Comme à chaque dimanche, je me suis réveillé le matin. Pris ma douche. Mis ma chemise rose du dimanche. Et juste un peu de parfum. Juste un peu. J'étais heureux. Tout le monde était heureux. À ce moment-là, j'imagine. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Personne ne savait ce qui allait arriver. Je me rappelle que c'était bientôt le printemps. C'était une belle journée. Gardant l'heure, je me suis aperçu que je suis en retard. Comme d'habitude. Non, faut que je cours. Comme ça, je vais pas arriver à temps. Je dois courir. J'ai couru. Couru. Je suis arrivé. Je chantais. Tout le monde chantait. La joie était contagieuse. On était combien? 300 personnes? Au moins. Au moins 300. Ouais. Comme d'habitude, là. Un coronavirus, c'est du matériel génétique entouré de graves, surmonté de protéines. Qu'est-ce qui se passe? Non. Comment? Pourquoi? Non, arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Dimanche prochain, je me suis réveillé comme d'habitude. Non. C'était pas comme d'habitude. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée que ça s'est réellement passé. Ça se pouvait pas. Je n'y croyais pas du tout. Ben non, ça se peut pas. Non. J'y vais. J'ai mis ma chemise rose du dimanche. J'ai mis juste un peu de... Non, la bouteille est vide. C'était une journée sombre. Même le soleil ne s'était pas levé. Je courais. J'étais en retard comme d'habitude. Les gens n'existaient comme plus. Vide. Tout est vide. J'ai couru. Je suis arrivé. Mais cette fois... La porte était fermée. Bon, je sonne. Rien du tout. Fermé. Comment ça fermé? J'ai sonné encore. Toujours rien du tout. Personne ouvre. Personne est là. Tout est fermé. Toutes les portes sont fermées. Je n'arrive plus à y entrer. Celle qui était tout le temps ouverte est maintenant fermée. Personne ne peut plus y entrer. Dimanche d'après, toujours dans mon lit, j'ai compris. J'ai compris qu'il n'y a plus de comme d'habitude. Plus de chemise rose. Plus de parfum.
Je m'ennuie de toi. Je m'ennuie d'être à l'intérieur. Je m'ennuie de tes activités, des gens. Je m'ennuie de tout. Je m'ennuie de mon église. À bientôt.